Hey, salut la gang! Et oui, je suis de retour! I'm back, bitches! Yeah! Yeah, fuck the shit! Yeah, 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 yeah! Yo, yo, yo! Donc, je suis vraiment content d'être de retour sur les internets, de retour sur YouTube, pour être plus précis, et non sur Pornhub. Donc oui, extrêmement content d'effectuer un retour. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas publié de vidéo. Donc, retour fulgurant. Alors que dans mes dernières vidéos, il me semble que j'avais effectué des entrevues avec une YouTubeuse nommée Lauriane Garfield-Côté. Dernièrement, j'avais fait mon vidéo spéciale 10 abonnés. Donc là, bientôt, il va y avoir une autre vidéo spéciale. Donc c'est ça. Donc là, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une nouvelle tabarnak! Wouhou! Une nouvelle vidéo, parce que vidéo, c'est un mot féminin. Et oui. Donc là, on va revenir au fait, on a maintenant des commandites. Ouais, on a des commandites. Parce que, tu sais, une vidéo de qualité, c'est comme un hippogriffe. Un fucking hippogriffe. Oui, un hippogriffe. Et ouais. C'est quoi un hippogriffe? Je sais pas, pas grave. Ok, donc là, oui, comme toutes les autres vidéos, on a un invité téléphonique, parce que oui, je suis trop pauvre pour me payer un vrai invité qui va être à côté de moi, puis parce que je filme avec mon ordi. Oui, je filme avec mon ordi depuis toujours, depuis la vidéo où c'est que je bois du jus, je filme avec mon ordi. Il y a moi plus jeune à côté, petit gros. Eh oui. Donc là, c'est ça, je suis avec mon ordi, zéro budget, style éclairage, c'est ma lumière qui roche que le Chris à gauche. Non, c'est pas le gros shit présentement, on est en manque de budget, donc écoutez mes vidéos, puis allez sur mon GoFundMe, là, faut que je m'achète des bottes de travail. Là. Ok, donc là, on va maintenant y aller avec notre invité téléphonique de ce soir, c'est un trifluvien, trifluvien voulant dire... jeune homme de Trois-Rivières, parce qu'on dit pas Trois-Rivières-Rien, on dit Trifluvien! Alors, on a la chance d'avoir avec nous Monsieur Tristan en direct de. D'où viens-tu déjà, Tristan? Salut! Je viens de Pointe-du-Lac. Oh, Pointe-du-Lac, excusez-moi! Alors, on s'est toujours demandé dans mes vidéos, les gens de Pointe-du-Lac, comment on les appelle? C'est au téléphone! Ok, c'était trop 2011, c'était ce joke-là, ok. Donc toi, c'est quoi tes passions dans la vie? La musique. Donc ta passion à toi, c'est la musique. C'est quel genre de musique que tu préconises le plus? Toutes les sortes de musique, en vrai. D'accord, est-ce que tu joues de l'instrument? Est-ce que tu fais... De la batterie. Puis sinon, ben tu sais, avec mon... D'accord, tu fais de la musique électronique, tu crées toi-même tes beats, excusez-moi l'anglicisme. Ouais, je dis surtout les samplers. D'accord, est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire écouter un petit morceau? Ouais, je vais vous faire écouter ce que j'ai travaillé ce soir, les deux dernières. Je sais pas comment dire ça. Les deux dernières créations. D'accord, est-ce que ça a un nom? Les démos. Ok. Oh oui, on trouve le moyen d'entendre. Ouais, fait que ça, c'est ce que j'ai fait tantôt en avant de la job. D'accord. Et c'est quoi ton travail? je travaille dans un abattoir, dans le fond. D'accord, on demandera pas c'est quoi le nom. Non, c'est sûr, mais j'emballe. Dans le fond, moi, je tue pas de cochon. Mais j'emballe des morceaux de viande. D'accord, dans et. Des sacs de plastique. D'accord. Et ensuite, on met notre machine qui aspire l'air du sac. D'accord, et. Toi, écoute, là, on va parler pour les végétaliens et les pro-santé animale qui nous écoutent. C'est quoi le message que tu aurais à leur faire par rapport à la brutalité des abattoirs? C'est quoi que. T'aurais à dire pour défendre les abattoirs face à ces gens-là? Ah, oui, je défends
faire appeler les abattoirs, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je travaille juste là parce que pour tout c'est payant et que je fais pas d'argent avec ma musique. Mais que je trouve d'autres choses de mieux, je change de job. Là, tu viens de tout gâcher. Là. Ouais, je défendrais pas les abattoirs. Là. Je te dis pas de défendre, je te dis de dire que c'est pas si pire que ça. Aucun animal est tué dans un abattoir, il est bien de le préciser, aucun animal est maltraité ou même tué. Dans le fond, c'est des cochons en plastique, là. Exactement. C'est ça le shit. Ketchup, pis le gras, c'est comme du jello blanc. Ça, tout ça part des hippogriffes! Des hippogriffes, ok. Bon, on va lâcher les hippogriffes. Donc, sinon aussi, j'ai entendu dire que tu jouais au football. Ouais. Puis là, dans le fond, t'es comme à une pré-retraite. Est-ce que tu songes revenir de ta pré-retraite? Ouais, mais dans le fond, je songe plus à jouer au rugby. Au rugby? D'accord. Donc, toi, c'est quoi, pour finir, c'est quoi ton travail de rêve dans la vie? Ah, ben, ça serait de vivre avec ma musique, lui. D'accord. Et puis, qui est ton compositeur? Mettons producteur pour. N'importe qui, pour plein de monde, là. De plein de genres différents. Pas juste me concentrer, il y en a qui produisent juste un genre, admettons. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que je serais bien content de produire juste un genre, ça serait bien satisfaisant, mais j'aimerais ça faire plein de genres différents. Bon, ben d'accord. Écoute, merci. Comme dernière question, comment as-tu aimé ton expérience dans ma vidéo de ce soir? C'était vraiment agréable, t'es vraiment un bon animateur. Écoute, merci. Merci de m'avoir reçu. Ben écoute, merci à tous les auditeurs. Merci à toi. Donc, Tristan, je t'invite à partager la chaîne de Jacob le réaliste, car la vie est dure et on finit tous par mourir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.